Et bonjour à tous, c'est Final FF 4 et aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 11 du Let's Play de Sword of Mana. Donc excusez-moi pour la partie précédente où vous n'avez pas eu le son de ma voix. Mais voilà quoi, je suis vraiment désolé mais je vais pas faire autrement. Donc là on va essayer donc de se faire... je sais pas si on va choper les pumas dans cette partie-ci. On va essayer au moins d'aller jusqu'avant le boss, on va dire. Où il y a l'épée de mana. Allez, le boss garde l'épée de mana. Putain, qu'est-ce que c'est que ce Ben? Mais tu vas la toucher, cette espèce de pied à la con. Putain, pourquoi il crève pas? Voilà. Allez, on va aller prendre le soin normal. De la lune. Petite guérison. Voilà, alors, bon, on va aller bousiller celui-là. Allez hop, 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 hop. Là, dégage. Voilà, ça te fout le camp. Bon, on va quand même peut-être essayer d'atteindre le niveau 36. Attention à ces rochers parce que je pense qu'ils peuvent nous péter la gueule. Nous faire des dégâts plutôt. Voilà, comme vous venez de voir. Allez, hop, faites courir. Bon, on va essayer d'atteindre, comme je vous l'ai dit, niveau 36. Elle prend ça, ça et ça et ça. Ah, dégage, dégage, dégage. Hop là. Elle fait le camp. Non. Retourne-toi. Elle frappe. Non. Attention, parce que celui-là, je vais pas le blesser. Oh fuck, attends. Allez, on va se soigner. Allez, hop. Putain. Allez. Non. La merde. T'as envie de se guérir. Fais chier. Oh, attention. Oh, je crois que ça va me foutre dans la gueule, ce truc. Envie de se guérir, là. On va taper un peu des points de vie. Ouais, c'est presque full vie là. Il m'a touché l'autre saloperie là. De machin. De rocher volant de mes fesses. Attends. Il faut voir si l'arc peut leur faire des dégâts. Ou pas. Attendez, une fois. Ah, fuck, je vais une fois voir un truc. Parce que je crois que j'ai un bug là dans le son du jeu. Alors. Bon, c'est bon, ça marche. Il n'y a qu'un souci. On continue. Alors, est-ce que ça marche pour le faire des dégâts, ça? Ah, ça marche. J'arrive pas à le toucher, en plus. Allez. C'est bon, ça marche bien. Allez, hop. Ça, je vais augmenter la puissance de mon arc, peut-être encore d'un cran. Il y a tout le level 36. Ah, merde, c'est pas ici qu'il fallait... Attends, peut-être... Ah, non. Je pensais qu'il fallait sauter sur les plateformes volantes. Passer. Ah, enfin, si, peut-être. Attendez. Attends. Une fois, aller voir. Non, ça me rend dans la gueule. Non, ici on sait pas aller. Attends. Non, non, c'est bon, c'est pas par ici. Saute. Voilà, putain, j'ai mis un bol de Goku un peu là. Je vais me faire griller le pet. Attends, ici il me semble qu'on voyait... ouais, c'est, je crois que c'est là qu'il faut aller. Faut choper la chaîne. Et saute. Allez, on va passer, voilà. Putain, il y a plus d'avoir un lac nouveau. On va prendre l'épée. Allez, on continue. Ah tiens, Nicolo, c'est parfait. On va lui acheter des chocos. Et tout et tout. Allez hop. Amande magique. Moi j'en vais en prendre une de plus. Calice. Allez, je vais en prendre comme ça. C'est bon, le reste on s'en fout. Voilà, c'est bon. Alors, par là. Donc on va essayer de se faire... on va arriver dans une grotte, normalement. Il va falloir se la faire. On va reprendre la chaîne. Bon, autant la garder pour l'instant. La lithogène, je crois que c'est la jungle littorale ou un truc comme ça. Elle prend ça.
Euncalis Céleste. Allez, on continue. Donc, en gros, il fallait pas venir par ici. Ah, c'est là le truc. Allez, on repart là. Alors. Non, ah, non, non, non. Bon, il n'y a rien d'intéressant ici. On va donc vite fait. Attention, je crois que ça peut m'écraser, ça me tue d'un coup en fait. Si je suis pris en son de bûche entre les deux. Attends. Petite épée. Bon, ça. Hein. Mais crève toi. Voilà, ça devrait le faire. Allez. Crève. Allez, hop. Allez. Bon, parfait. On va soigner vite fait. Allez, full vie. Presque full vie, bon voilà. Je crois que je l'ai bugué parce qu'il me semble qu'il restait pas autant de magie. Je crois que je devrais être à zéro là. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va prendre ça quand même. Le coffre. Allez. Là, je vais prendre ça. Ah putain, il y a ces rochers à la con là. Prends ça, voilà. Bon, là, je vais aller prendre ça. La chaîne. Allez, on continue. Allez, on va prendre l'épée. C'est par là, ouais, c'est bon. Alors, c'est... Oh, parfait. Normalement, je devrais pouvoir encore améliorer mon armure via ce que j'ai chopé à Lorimar, le fer de Lorimar. Je vais aller améliorer mon épée. J'aime bien l'OST ici, elle est sympa. Allez, on continue. Ah, il faut donc parler à lui. Allez, salut, là, là, là. Moi, j'aimerais bien améliorer... attends, là, c'est quoi ça, attends. Je crois que j'ai pas fait gaffe, attends. Forger, modifier. Bon, forger. C'est ça que je voulais faire. Équipement. Une armure. Alors, on va utiliser... merde. Une fer de Lorimar. Faire une armure Lorimar. Voilà. Attends, voyons voir. Dégage. Mais lâche-moi, toi. Je m'en fous. Tais-toi. Rien du tout. Tu te tais. Alors... Icta, non c'est pas ça que je voulais faire. Équipement. Équipement. Alors, armure Lorimar. Non mais c'est bon, en fait, t'es déjà équipé. Défense 20, ouais, parfait. C'est bon. Attends, je vais une fois aller voir. Contre un ennemi. Pour voir si ça me fait moins de dégâts. Voilà, c'est bon là. C'est bon, on y est. Attends, je vais revenir par là, d'abord, pour voir les coups. Attends, est-ce que ça, ça me fait plus de dégâts? Non, autant. Et lui, il me fait quoi comme dégâts? Bon, ça, ça sert à rien. C'est pas ça que je voulais faire. Non, il faut que ça soit la journée. Alors. Ouais, c'est bon. Alors. Bon, j'aimerais bien que ça... C'est bon, ça me fait plus que 1, parfait. Ça me faisait 2 il y a pas longtemps. Ah, mais non, on va foncer. Et on va atteindre... comment dire... Merde, c'est quoi ce bordel? Il faut aller où? Non, pas du tout, attends. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, mais ici, il n'y a rien d'intéressant, en fait. Peut-être qu'il fallait aller par là. Ouais, je suis con. Bon, moi, je trouvais la serre. Et ça m'a permis de booster mon équipement, donc ça fait toujours plaisir. Donc je vais rechoper cette saloperie de chaîne. Allez, on avance. Et... Non, pas ça. Attends, là je vais reprendre ça. Allez, j'aimerais bien augmenter la puissance de ma putain... Non, mon putain d'arc. Allez, tire. Voilà. On va un peu garder l'arc pour l'instant. Toi, j'améliore... sa puissance. Tiens, ça tue mana en or. Bon, on va pas sauvegarder, sinon ça serait chiant de prendre des risques inutiles que ça lag en plein milieu. Mais je t'ai dit non, lâche-moi.
Comme ça, là, je suis guéri. Un petit amande magique de plus, ça fait toujours plaisir. Un petit choco, ça fait toujours plaisir aussi. Donc là, on va devoir se faire maintenant l'arrivée souterraine avec un boss à la fin. Alors... Bon, je crois que l'épée fait plus de dégâts ici. Ouais, attends. À combien... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Fous-moi le camp, toi. À combien on est mon épée? Pas mon dieu, mon arc. À 17. On va essayer de foutre à 18. Ça, là, c'est sûr que je devrais pouvoir avoir le boss. Pas ce boss-ci, mais le boss... d'après, qu'on fera certainement dans la partie numéro 12. Chocolat plus. Plaisir d'os. Il faudra aussi que je... comment dire, je sais plus. Ouais, je vais essayer d'atteindre le niveau 36 aussi pour être sûr. Ah, casse-toi. Voilà, toi tu vas remonter, tirer vers le haut. Elle prend à toi un coup critique dans la face. Toi il est sonné. Mais non. Ah, mon coup critique l'a pas touché en fait, c'est celui de... Lester qui l'a atteint. Bon, c'est pas grave, on continue. On va pas se chipoter qu'en round 5. Hein. Je crois qu'il faut trouver un moyen pour vider l'eau. Pouvoir passer. Ou un truc dans ce genre là. Elle prend ça. Non. Tiens, il m'a contré ce truc de cul. Tiens, le lac. Ouh, j'ai peur. Tiens, comme il a foncé comme un malade celui-là. Il a touché Lester et pas moi, donc je m'en fous un peu. Elle prend ça. Hop là, KO. Allez, on va utiliser le coup critique. Petit crabe à la con là. Crabe, bah, je sais pas, en métal. Certainement plus balèze que les crabes rouges qu'on combattait au début. Là vous voyez, mon arc est 15 fois plus puissant que celui de Lester, ou 17 fois plus puissant, 18 fois. Bon, là en tout cas je suis content, ça a augmenté de puissance. Donc je vais plutôt reprendre l'épée, histoire de l'améliorer aussi, parce que ce sera l'épée que j'utiliserai après. L'arc sera juste pour le boss suivant. Là il a baissé ma force du cul. Mais après ça sera vraiment l'épée tout le temps. Pour tous les boss suivants. Et sauf pour un autre boss encore, mais ça ne sera pas l'épée, mais il faudra utiliser le PNJ, parce que ce sera le PNJ qui lui fera le plus de dégâts. Ça, ça fait beaucoup quand même de pouvoir en moins, ça. Attends, parce que là, je fais pas trop de dégâts, en fait. Mon arc lui fait plus de dommages. Donc on va pas se prendre la tête, 10 ans. Tiens, prends ça, voilà. Allez, là, je vais prendre mon épée, parce que je veux l'améliorer, comme je vous l'ai dit. Et je vais me guérir aussi, tant que j'y suis. Voilà, là hop, à full vie. Ah merde, c'est les arcs qui marchent le plus ici. Et merde. Prends ça, ça. Ah, il devrait bientôt crever. Bon, dans le scénar, il faut pas. On va rencontrer un petit robot ici, qui va nous apprendre un peu quelques trucs sur le passé et sur l'armée qu'avait Vandal. Mais sinon, ça va pas trop avancer le scénario dans cette grotte, je veux dire. On peut aller par là? Non. Attends. Il faut passer ici, on aille. Voilà. Parfait. J'ai bien imputé. Ah, c'est juste des coffres. C'était pas ici qu'il fallait venir. À moins qu'il y ait un petit passage caché sous la cascade. Ça serait possible. Non, pas l'air. Ici. Non. Et ici non plus. Ok. Par ici, il faut pas aller. Là, on peut rentrer dedans, mais ça sert à rien. À moins qu'il y ait un passage secret. Non. Ou un levier, mais je pense pas. Ok, donc on va aller par là. Mais bon, je vais d'abord aller tuer ça. Allez, crève. Allez, prends ça, voilà. Non, tu me fais chier. Allez, prends ça dans ta face, bibiatch. Mais tu crèves pas. Bon, c'est bon, il va crever, non. Encore un coup. Quel instant de déduction. Peu comme, hein. Allez, on continue. On va aller par l'autre côté, alors. Bon, là, je vais un peu arrêter de combattre. Quelques instants. Non, en fait, par ici, on sait pas aller. Et par là, si je vais par là, c'est la sortie. Attends, non, il n'y a pas de passage ici. Je suis oublié de faire un truc, alors. Bon, on va aller combattre celui-là. Prends ça. Ça. Et ça. Allez, je lui achève avec un coup critique. Et dans ta face. Et il a résisté, merde. On a sa déduction à bugger. Il a encore résisté. Putain, il est balé celui-là. Il était résistant ce petit connard de poisson. De barre, je sais pas, c'est quoi. Ouais, c'est une sorte de barre, je crois. Bon, en fait, c'est pas par ici. En fait, c'était pas bien par ici, mais je dois
pas avoir compris un truc ou on est un peu kéblo, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Bon, je vais me guérir. Attends, merde. Saloperie de putain de saloperie. Voilà. Attends, invite-toi à avoir un levier ou un truc du genre. Attends. Non, c'est d'office par ici. Attends, il y a un truc à faire ici. J'adore le bug, là, je suis carrément à travers. Attends. Qu'est-ce que c'est que ce beans? T'as le lac. Oh, j'ai eu peur. Attends, ici on sait pas aller, non. Attends. On va déjà reprendre l'épée parce que je crois qu'il faut frapper sur un truc. Pour l'activer genre comme un levier. Donc ça... Non. Non. Non, non, non. Putain, il faut aller où? C'est quoi ce bordel? Non. Attends. Non. Mais voilà, c'est par là, je suis con, moi. Donc il faut prendre la chaîne. Allez, on va prendre l'arc. Allez, prends ça. Suivi de ça, de ça, de ça. Et de ça. Suivi de ça. Voilà, c'est bon. Allez, on reprend la chaîne. Et on repasse. Alors là, il faut faire un truc ou pas? Non, c'est pas un levier, ce truc, en fait. J'avais l'impression un peu, mais en fait, non. Allez, on continue. Allez, hop, 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 hop. Voilà, ça ne fait pas de dégâts. Mais je pourrais utiliser ça, le fait que ça ne fait pas de dégâts, pour améliorer mon épée. Hein. Mais bon, on va plutôt continuer à se concentrer sur l'arc pour le moment. Puis voilà. Et puis, s'il faut, au pire, je pourrais toujours essayer d'aller un peu booster mon épée dans la forge. Hein. De Waps. Allez hop. C'est bon, encore un coup normalement. Non, il y a toujours résisté. Bon, là, le dernier coup là. Quel instant de dédiction, peu commun. Et en plus, ça fait monter mon niveau. Allez, encore le guerrier. Dernière fois normalement. Non, c'est pas aller par là. Ouais, ça... Si, normalement, c'est... Attends. Allez, saute. Voilà. Je sais pas pourquoi il avait pas voulu là, il y a 2 secondes. Mais on savait. Me disait bien. Oh putain. Un fait coffre. Essaye de me niquer celui-là, mais tu me niqueras pas, on me nique pas moi. Allez, prends ça. Allez, hop, 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 hop. Saute. Allez, on va prendre la chaîne. Allez. Un arc. Allez, prends ça. Allez, prends ça, ça, et ça, et ça. Allez. Allez, c'est bon, on y est presque. Encore un coup. Ah merde. 19. Allez. Allez, on va essayer... d'augmenter la puissance de l'arc level 20 hein, tant qu'on y est. Ça c'est bon. On devrait pouvoir comment dire, battre le boss facilement, voilà. C'est ça que je voulais dire, il faut, quand j'arriverai enfin à trouver mes mots. Parfait, la chance là. Un petit ok. Bon, R promet, donc ça sert pas à grand chose. Hein. Allez, alors on va choper ça, j'espère que c'est pas un fake, non c'est bon. Tiens, encore un chocolat. Allez, on continue. Allez, allez. Là, encore un petit saloperie de truc, là, de crabe. Petit crabby. Alors, vous te tuez. Allez, prends ça. Allez. Dégage. Encore un coup. Voilà. Non, encore un coup, merde. Retourne-toi, retourne-toi. Voilà, c'est bon. Allez, on approche du boss de la zone. Je crois qu'il faudra utiliser l'arc, surtout contre les boss de la grotte rivière, là, ou je sais pas quoi. Là, où on se trouve, quoi. Ah, putain. Un truc dans la gorge, là, il gratte. Là, je vais reprendre cette saloperie d'arc.
Ah, c'est trop dark, l'arc. Quel jeu de mots pourri. Ah, dégage. Hop. Bientôt level 20, mon petit arc. Bon, le boss ici, je me souviens bien, il est assez chaud quand même. Bon, je vais quand même essayer de le battre facile. Je vais quand même devoir sauvegarder, donc j'espère que ça va pas tout faire bugger, ça serait bien lourd. En fait, on n'y est pas encore, on est encore assez loin même, il me semble. Ouais, je me souviens de cette zone, et ça a encore plein de bordel à faire ici. Alors, ici, je crois qu'il fallait le sauter là-dessus. Non. Déjà, il faut pas faire ça. Ça commence bien. Là, il faut descendre, alors. Ok, on passe ici. Bon, je suis passé, ouais. Alors, on va certainement avoir au moins deux coffres fake ici. Pour Croco, pour pouvoir me permettre d'améliorer mon arc, ça, je crois. Ce genre de truc. Bon, je sens le coffre fake pour le dernier. Je le sens. Je le sens. Ah non, pas bon. Tiens, du fer de Lorimar, encore. Bon, si j'arrive à combiner du fer de Lorimar avec mon épée, ça pourrait être sympa. Plutôt qu'avec une armure qui est déjà assez puissante, non, hein, déjà assez de résistance. Ah, dégage. Alors, oh, c'est bon, ça fait beaucoup de dégâts. Allez, hop. Allez. Allez, prends ça. Dégage. Eux, ils ont une 120, je crois 120, ou un truc comme ça, donc plus 200 peut-être. Allez, dégage. Encore un coup. Ouais, c'est bon. Bon, petit sort de guérison. Faudrait peut-être que je pense à peut ressusciter Lester, comme ça il pourra peut-être augmenter de level. Comme ça il y a des boucliers. Bon, là je vais faire ça. Bon, c'est vraiment comme de bouclier, comme bouclier ce type-là. C'est vraiment pas grand-chose, quoi. Allez, hop. Voilà. Ah, c'est bon, on va pas se faire chier, on va partir. Qu'est-ce que je sais? Attends. Peut-être que je dois utiliser ici, genre... la chaîne, elle est tirée à l'aveuglette. Non, elle passe, elle part même pas de l'écran. En fait, c'est la fin de l'écran, là. De l'écran de jeu, quoi. Par là, il doit y avoir un passage, alors. Non, il n'y a pas de passage. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, ça a cul-de-sac ou quoi, ici? Je comprends pas. Bon, ici, on sait pas aller. Bon. C'est étrange, mais c'est pas par ici. Je vais de nouveau tourner en rond comme un connard. Attends. Non, non. Ici. Peut-être qu'il y a un passage ici. Non, il n'y en a pas. Non, non, bon. Bon, on va revenir en arrière, alors. Je dois avoir oublié un truc. Ouh, il fallait sûrement aller par ici. Non, mais ici, je viens d'ici. Attends, je comprends pas. Ah, j'ai trouvé, c'est bon. Voilà. Quel instant de déduction. Paix, quand même. Bon, il se faisait briser un truc, là-bas. Ça fait couler de l'eau. Et normalement, maintenant, l'eau qui se trouvait... Bah là en haut, il n'y a plus de rivière, donc je vais pouvoir passer. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Hein. J'ai bien fait parce que j'ai remarqué que ça avait une autre couleur que le reste du décor. Et qu'on savait pouvoir interagir avec, mais sinon j'en aurais encore été Keblo pendant 10 ans ici. Hein. Allez, lance. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Allez hop, ouais, c'est bon. Il a fait me toucher celui-là. Et contrer mon pouvoir et tout le boudin là, ça aurait été assez chiant. Bon, je vais reprendre mon arc. Tant que j'y suis. Alors, combien de temps on monte à level 37, tiens? Alors, level 37 prévu dans 520, ok, bon, c'est dans trop longtemps. Je vais quand même aller le tuer, attends. Mon arc, il a combien? Mon arc, il a à 19, bon. J'aimerais bien qu'il atteigne 20. Et après, ça sera bon. Allez, dégage-toi, hop. 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 Allez, hop, 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 hop. Bon, dans cette vidéo, on va au moins aller combattre le boss, donc comme je vous l'ai dit, de ce donjon-ci. Après, on s'arrêtera ici. Et on s'arrêtera ici. Ah merde, il faut quand même prendre ça. Et dans le level, dans la partie 12, on se fera d'office choper l'épée de mana. Et peut-être encore un donjon en plus, parce qu'il y a un autre donjon après qui est petit, si je me souviens bien. Assez court. Donc on se fera le petit donjon plus le boss du donjon. Partie numéro 13, on se fera... il y a un autre truc à faire, un autre donjon. Plus un boss. Ah, c'est bon, c'est quoi, c'était ça. Putain, c'est pas sûr. Mais non, c'est pas ici. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, qu'est-ce que vous dire? Qu'est-ce que je disais maintenant? Donc, un boss. Ouais, ouais, ouais. Bon, ma vie. Et donc on finira... Putain, je bug. Dans la partie numéro... Putain, je fais quoi? C'est pas ça que je voulais faire. Partie numéro... Numéro combien? Putain, je peux pas bugger, moi. Attends, mais c'est quoi ce délire? Partie, c'est la partie...
Bah, la partie 13, voilà, on se fera, comme je l'ai dit, le donjon que je parlais, plus un autre truc. Voilà. Autant de navire, il doit avoir un truc qui est cassé ici. Ah, mon micro qui part en couille nouveau. Ouais, je crois que c'est bon. Non, pas trop. Voilà, là, c'est bon. Non, putain, mais pourtant, j'ai cassé le truc, mais ça marche pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il faut aller où, là? C'est quoi cette connerie? Bon, en tout cas, donc, il y aura 14 parties. Voilà. Bon. Navi, tu auras un autre truc que j'ai oublié de péter. Un autre truc du même genre, quoi. Alors, mais où ça peut être? Ah, putain. On va traverser ici. Attends, voilà, c'est bon. Elle saute. C'est pas allé. Hein? Putain, elle a sauté à travers la flotte. Bizarre. Non, pas ici. Attends. Non, mais il n'y a rien à faire ici. Mais non. Non. Non, non. Putain, ça me saoule, j'aimerais bien trouver où il faut aller. Attends, peut-être que c'était là, en fait, alors. Non, il n'y a rien de cassable ici. Je vais pas aller combattre ce bête coffre. Attends, on va aller par là, tiens, je crois que j'ai pas été par ici. Ah si, j'ai été par ici. Attends, mais il n'y a pas de truc à te casser ici? Non, je rêve, il n'y en a pas, hein. Non, mais qu'est-ce que j'ai foutu encore? Attends, ça m'énerve. Par ici alors, voilà, je suis pas venu par ici, espèce de con que je suis. Oh là là, il y a moyen d'être teubé, hein. Mais bon, c'est bien foutu quand même, c'est vraiment la preuve qu'il faut fouiller tous les recoins du niveau pour voir le finir. C'est pas super simple et super linéaire comme la plupart des jeux d'aujourd'hui. Donc normalement, maintenant, c'est bon. Le passage tout ouvert là-bas. Sauter, allez hop. On passe. On passe. Allez, on va retourner. Allez. On continue. Bon. Là, j'ai pu te reprendre mon arc. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien être de level 20. Hein. Bon, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, je sais pas encore. Là, là on doit être rendu à 40 minutes. Oh mais non, pas 40 minutes, oh, je sais pas. Ben ouais, presque 40 minutes. Mais attends, mais c'est toujours pas bon, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il faut aller où, là? Je comprends pas. Je comprends pas, c'est quoi ces bêtises, encore? Peut-être qu'il faut tuer un ennemi ou quoi? Non, mais c'est pas possible, je comprends pas. Excusez-moi, mais là, je vois pas, quoi. Dégage. Bon, en fait, il faut encore avoir oublié d'activer un truc, quoi. C'est bizarre, quand même. Allez, prends ça. Voilà, ça, et ça. Peut-être qu'il faut le tuer, lui. Attention, ça peut voir à la con, là-dedans. Crève, putain. Putain, chocolat, ça va... Ça va faire mal. On est 13, en plus, donc c'est parfait. Voilà, parfait. Bon. Envie de me guérir. Attends, je comprends pas, putain. J'ai oublié d'activer encore un truc ou quoi? Est-ce qu'il doit en avoir un ici alors? Là derrière, il n'y en a pas. On n'a pas l'air en tout cas. Bon. Non, 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 non. C'est pas ici. Je comprends pas. Attends, peut-être qu'il y a un truc là. Non, il n'y en a pas. Un truc pour s'accrocher à une chaîne. Mais il n'y en a pas, non. Ici, on sait pas aller. Là-bas, bah, on sait pas aller. C'est bizarre quoi. Là vous voyez toujours le jour de nuit géré, même si on voit pas que c'est la nuit, bah c'est toujours géré quoi. Peut-être qu'il faut activer un truc là-dedans. Non. Attends, je comprends pas, ça m'énerve. Bon écoute, on va encore une fois faire le tour de tout le bousin. Mais pas ça. Fils de couillon. Et vraiment aller voir. Parce que je trouve qu'on va oublier. Putain, passe. Bon, on sait pas aller par là. On va sauter ici alors. Attends, je vais vraiment aller vers le bas et aller voir si j'aurais pas oublié ici un truc. Si j'aurais pas activé ici quoi. Non mais dégage toi, commence pas à me foncer dessus là, ton gros cul. Attends, alors non.
ici. Ah, peut-être qu'il faut avoir une arme. Non, avec l'arc ça passait. Donc, non. Non, pas ici. Non, il n'y a pas ici. On va passer au-dessus de sa tête comme ça. On n'est pas obligé de se le faire, ça va continuer 10 ans. Ici, il n'y a pas un passage qu'on peut choper. Là, il y a un petit caillou, donc ça sert à rien. Là, c'est pas des leviers, donc non. Donc, ici, il n'y a rien, non. C'est pas ici. Attends, là, on va traverser. Allez, hop. Donc, ici, on sait rien faire. Ça, j'ai déjà remarqué aussi. Attends, il peut pas s'accrocher à ces trucs? Non, ça sert à rien, ça. Alors, je comprends pas trop. Attends, là-bas, j'avais été... Remonte, remonte. Tu vas monter, voilà. Allez, monte. Là-bas, le haut, j'avais été faire. Il n'y a rien, rien en bas. Donc là, c'est fait. On va aller par là, alors. On soigne vite fait. Et puis voilà. Alors. Ça sent qu'il, je sens qu'il doit en avoir un ici. Mais non, en fait, il n'y en a pas. Lâche-moi, toi. Allez, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tout qui déconne, vous. Et bouge ton cul. Non. J'ai peut-être oublié là. Sous les cascades, j'ai pas trouvé l'impression d'avoir été là. Bon. Là c'est fait. Oh là là. Attends, il n'y en a pas ici. Hein. Non. Je comprends pas, ça commence à me gonfler. Mais là voilà, putain. C'est bon, là, c'était le dernier normalement. Bon, il se remet debout là parce qu'il mettait 10 ans à se lever. Normalement c'est bon maintenant. Je vais quand même aller voir. Hein. On va vite aller voir. Si tout est bon ou pas encore. Il faut vraiment avoir des yeux partout pour voir. C'est quand même chiant. Hein. Allez hop. Hop. Allez, on y va vite. Voilà, ça s'est rempli et certainement les autres sont vidés. Voilà, c'est par là, c'est bon. C'est donc ça. Comme vous le voyez, le passage ici s'est libéré maintenant. Je peux donc descendre et aller par là. Alors. Arc. Et hop. Dégage. Dégage. Attention celui-là. Allez, crève. Boum. Coup de grâce. Ah, même pas. Ah, c'est la déduction à bugger. Mais non. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Tu crèves ou pas? Mon arc a augmenté puissance. Et j'aimerais même que tu crèves. Allez. Crève. Voilà. Allez, monte à l'étage. J'ai envie de se guerrier. On va vite se foutre full vie. On est proche normalement là du boss. Bon. Là, il faut reprendre cette saloperie de Shane. Alors. Là-bas. Ah, tiens, on va choper ça. Allez, on continue. Petit chocolat de plus. Alors. On va plutôt aller par ici, je crois. Ça va aller plus vite. Voilà, ça tue maintenant en or. Là, c'est bon, il faudra parler à l'espèce de robot qu'on voit là. Qui fait partie... qui était un robot de l'armée de Vandal, en fait. Mais allez, on va se soigner, on va sauvegarder. Et on va quand même aller se faire le boss. Level 36, normalement. On est rendu à combien? Oh bon, c'est bon en fait, ça fait même pas 40 minutes qu'on est ensemble. Ça fait 40 minutes qu'on est ensemble à peu près. C'est bon, on a le temps en fait. On va pas se prendre de chaud, on va aller faire le boss. Un robot. Alors donc voilà, produit par l'Empire Vandal, donc c'est un robot guerrier. Et propriétaire, ça se finit par ME. ME. Vandal, ça finissait pas par ME. Je suis juste occupé à peu réfléchir. Alors, qui finit par ME? Je sais pas. Non, non. Je sais pas. Voilà, on a un peu appris donc qu'il y avait des robots dans l'armée de Vandal. Et là, le boss se pointe. Donc, le Kraken. Alors, Kraken, boss typique, hein, des RPG et tout ça. Monarque est de niveau 20. Attention, il fait popper des monstres, et ça, il faut qu'on m'en souvienne aussi. Il va sortir sa gueule, voilà. Il lance des petites boules d'encre. Et avec ses boules d'encre, il essaye de nous rendre... comment dire? On est un truc qui nous rend un peu confus là. Mais merde. Il frappe un peu fort là. Attention à la boule. D'encre. Écoute, allez hop. Non, pas ça que je voulais faire. Ce que je vais faire moi.
Je vais pas de le ressusciter. Comme ça, les petits monstres. Ben, le combat. Merde, j'ai touché. Ça n'a pas marché en plus. Ça a tout fait bugger, ça me fait chier. Ça a contré mon truc de résurrection. Ça a contré. Ça m'a rendu. Un peu, comment dire. Bah confus quoi. Pas confus mais aveuglé. C'est-à-dire que je vais pas le toucher maintenant. Alors qu'il mesure 10 km, je pourrais le toucher à tous les coups quoi. Ça c'est bien lourd. Bon, le kraken ne fait pas trop de dégâts. Par contre eux ils sont assez chiants, c'est une espèce de poisson loup on peut dire. Putain mais fou le camp. Allez. Quand vous faites un choco. Me guérir. Ah, quasiment full vie. En fait, je crois qu'il suffit d'un seul coup pour les tuer. Eh ouais, on les touche une fois, ils disparaissent, mais ils frappent fort. Une fois, moi j'ai touché, à ma vie, le stun, il doit les toucher 50 fois pour le tuer, tellement il est nul. Tellement il n'y a pas trop de puissance, quoi. Comme je n'ai pas bien monté son niveau. Bon, par exemple, maintenant, il n'y a plus trop d'ennemis à la con. Comme il est énorme, je peux le toucher partout, donc ça fait plaisir. Allez, prends ça. Allez, là, je vais... prendre l'esprit, pas ça, tête de couillon. Parfait, j'ai augmenté la puissance de mon arc, ça fait plaisir. Là, j'augmente ma force. Voilà, hop. Et merde! Prends ça. Suite ça. Je vais toucher qu'une fois. Attends. Non, non. Mais non! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il manque pas le temps de bouger, qu'il est déjà pas bonné la gueule, ce connard là. Allez, bouge. Mais tire, toi! Il a résisté maintenant, qu'est-ce que c'est que ce connerie? Il va devenir de plus en plus fort, mon avis. Plus on va progresser, plus ils vont devenir forts. Bon, un seul chocolat, et je suis full vie, donc presque full vie. J'en profite. Allez, prends ça. Ah, quel con! Allez, ça, hop. Hop là. Allez, merde, pourquoi putain, la flèche est passée à 1 mm de sa putain de gueule, celui-là. Ça fait chier, quoi. Oui, il est là, voilà. Là, on voyait des petites bulles d'eau qui allaient vous dire qu'il allait sortir, quoi. Ça fait plaisir. Là, il va nouveau replonger. Saloperie de Kraken. Plutôt de poulpe, de géant ou quelque chose, quoi. Allez. Là, je vais reprendre ça. Non. Fuck de merde. Ça a contré mon soin. Ça fait chier. Attention à ces saloperies quand même de tentacules, c'est pas beaucoup de dégâts mais ça peut me canarder dans les airs. Et me rendre un peu, comment dire, m'étourdir un peu. Donc il faut plutôt faire gaffe à ça. C'est bon. Allez hop. Il prend ça et ça. Il est où? Vous voyez, ils deviennent de plus en plus forts les poissons, c'est chiant ça. Et merde. Ah, j'approche. Et merde. Il est où? Il est là. Prends ça. Yes. Saloperie de boss. Bon, j'espère que je l'ai eu assez vite. Je crois même qu'on va peut-être encore un peu continuer à jouer. On verra. Ouais, c'est bon, il est battu. Il faut y faire quoi là? Il faut ressortir, il me semble. Ou aller par là. Ah non, là je vais en arrière en fait. Ah, je sais pas. Je vais me guérir, je vais sauvegarder. Alors. Bon, on est rendu à peu près 45 minutes, un peu moins 45 minutes. Donc plutôt de faire... On va encore un peu continuer. Est-ce qu'il y a un passage par ici de l'autre côté? Non. En fait, on sait pas. Ah, c'est par là? Non, on sait pas aller par là. Donc ça veut dire en fait que... Il faut sûrement reparler au robot. Que se passe-t-il? Non, ils sont... Non, il s'en fout. Ouais, voilà, ça a ouvert le passage ici, je crois. C'était fermé avant. Voilà, le volcan submergé, on y est. Donc c'est ici qu'on va se faire le boss qui cache l'épée mana. Mais pas tout de suite, bien sûr. Parfait, Nicolo. Ça tombe justement bien. Il est un peu con de venir ici, mais bon, c'est un peu bizarre. Mais il tombe bien. Allez, hop. Je m'en fous ça. Allez, hop. Voilà, parfait, c'est bon. Attention, là, si je marche dans la lave... Fait des dégâts et là vous voyez le sol se casse. Se casse sous mes pieds, sous mes pas plutôt. Non c'est par là. Attention de pas marcher dans la lave à la con parce que ça fait des dégâts.
merde, bouge. Mais qu'est-ce qu'il fout? Allez, il faut aller par là. Ah, c'est quoi ça? Attends. Bon, je dirais Luna, je l'ai pas encore utilisé. Hé hé, un sein de déduction, peu commun. Alors ça... Oh putain, je m'en doutais en plus. Plus de me guérir là. Parce que là ça sent vraiment le cul. Ça sent le sapin là. Voilà, full vie. Allez, profite. Oh non. Bon, on est obligé d'utiliser l'épée. On sait citrouille. Bon, moi j'aimerais bien... Putain, par ça que je... Peut-être le level 37, on va dire. Avant. Crève. Attention. Voilà, il va pas rétréci. Allez hop, on va près d'eux, on les fait... on active leur explosion, et puis on se recule vite fait. Attention que cela explose pas, on va te tuer. Non, trop tard, chier. Allez, vite me guérir. Allez, mais viens, va pas si loin, toi, que je te guérisse aussi, gros con. Allez, boum, voilà. Par là, on peut passer? Non. Oh! Ah, bon, ici, il y a des coffres. Vas-y, on peut descendre en sautant de la falaise, ici. Pas de la falaise, mais comment dire, de la paroi, quoi. Ah, comme Renette. Elle saute. Voilà. Bien intuitif. Attention, allez, explose. Non? Bon. Alors, lac. Là. Boum, 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 boum. Crève. Tu vas crever, ouais. Crève. Putain de saloperie de connard. Je sais qu'il reste plus qu'un coup à lui mettre. Mon approche. Il me semble, si je me souviens bien. Donc là, je vais les zigouiller. Celui-là, il est intuable parce que j'ai pas la fille, la gosesse. Là, c'est la flèche pour le tuer. Donc, je vais utiliser la flèche. Voilà. Allez, boum. Alors, ça, c'est quoi, là? Quoi, flèche? Voilà. Bon, voyons voir dans combien de temps je monte de niveau, tiens. On passe ça, alors, couillon. Alors, niveau suivant dans 260. Bon, encore le temps. Donc, on va pas se prendre la tête. Non, allez hop, 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 attention à ce petit nuage là, est-ce que je peux le blesser? Non, même pas, il est invulnérable. Je vais me lancer une flamme au cul, et voilà. Alors, on va se guérir. Boum. Allez, prends ça. Crève, putain. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mon épée, mon arc a augmenté, ça c'est parfait là. Il faut au moins niveau 22. Ça fait un bon gros arc. Oh et fuck, il m'a rendu confus. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, putain, chocolat là, putain. Putain, il fout le camp. Mais laisse-moi passer. Stupide bestiole. T'es ta bouche, putain. Oh, j'ai eu chaud au nouveau. Saloperie de connerie de bestiole. Lâche-moi. Bestiole à la con. Allez hop. Bon, on approche ou pas de cette putain de fin de donjon qui est quand même assez long et chiant là. Ok, bon, là il y a des trucs qui explosent, faut faire gaffe. Putain, j'ai pris feu, fais chier, mais fou le camp toi. C'est pas vrai ça, ils sont chiants. Putain, je vais y passer comme un con. Putain, Choco. Allez, évite de bonbons. Il dit deux bonbons. Allez, encore un petit sort de soin. Allez, soigne-toi. Mais on y va. Saute par-dessus, saute. On est passé, on est passé. Ouh, j'ai eu chaud. Ça, il faut casser. Plutôt activer, je sais pas, c'était bizarre. Voilà, c'est bon, on est près du boss. Enfin, j'ai envie de dire. Bon, écoutez. Bon, on va s'arrêter là pour cette partie numéro 11. Dans la partie numéro 12, on se fait le boss. Les deux donjons suivants. Et dans la partie numéro 13, on devrait pouvoir finir le jeu. Et au pire, il y aura une partie numéro 15 où il y aura certainement juste le boss. Partie numéro 14 plutôt. Et salut à tous, c'était Final Fight 4 et bye bye.